Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal en version française sur TV Plus Madagascar en ce samedi. Voici donc les titres de nos informations de ce soir. La gestion des 6 aérodromes dans les trois régions de Milak, de Menabe et de Timon-Defan a été transférée à des sociétés privées selon l'ADEMA. ADEMA ou Aéroport de Madagascar, en tant que délégataire de pouvoir de l'État, confie la gestion de 6 aérodromes à des partenaires privés répondant aux critères réglementaires et cela pour 5 ans renouvelables. Le Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, a reçu plus de 500 doléances, toutes relatives à des litiges fonciers l'année dernière. De nombreuses régions sont touchées actuellement par ce type de litiges et aujourd'hui l'ancienne province de Majunga commence à en enregistrer de plus en plus. Après quelques semaines de retard, les 207 candidats ayant participé aux épreuves physiques de concours de recrutement pour devenir agent de police municipale se sont présentés à l'épreuve orale cette semaine. La commune urbaine d'Antananarivo envisage de recruter 100 agents de police municipale chaque année afin d'atteindre un quota minimum nécessaire. Alors que le président américain Joe Biden doit prononcer en Pologne un discours au monde libre contre l'évasion de l'Ukraine par la Russie, un nouveau couvre-feu a été annoncé à Kiev de samedi soir à lundi matin. Tout de suite, les détails. La gestion des 6 aérodromes dans les 3 régions de Melek, de Menabe, d'Atsimo-Defan a été transférée à des sociétés privées selon l'ADEMA, ADEMA ou Aéroport de Madagascar. En tant que délégataire de pouvoir de l'État, confie la gestion de 6 aérodromes à des partenaires privés répondant aux critères réglementaires et cela pour 5 ans renouvelables. Reportage Sibylla Rajemazav. Dans le cadre de la continuité du processus de recherche de partenariat pour la gestion et l'exploitation des aérodromes secondaires ouverts à la circulation aérienne publique à Madagascar, les aérodromes secondaires des régions d'Atsimo-Defan, de Melek ainsi que du Menabe ont été confiés à des sociétés privées. A rappeler que l'État malagasy, par le biais de l'ADEMA ou Aéroport de Madagascar, en tant que délégataire de pouvoir de l'État, confie la gestion des aérodromes à des partenaires privés répondant aux critères réglementaires requis. Il s'agit notamment des aéroports de Murumbe, de Manz et de Belle-sur-Tirbine qui seront gérés par la société Aéro Sud-Ouest. L'aérodrome de Bessalamp sera géré par l'association Vourmaïr. L'aérodrome de Mianjvazu sera confié à l'entreprise Fanavutan et celui de Tambouran sous l'administration de l'association FM3FM. Notons que ces contrats sont renouvelables ou non tous les 5 ans et que la société ADEMA SA accompagnera les gestionnaires dans la réalisation de ces missions en contribuant financièrement au fonctionnement et à la concrétisation des activités liées aux investissements prévus dans la convention. La passation de gestion a eu lieu hier au siège de la société ADEMA SA, Ivatu. Le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit HCDDED a reçu plus de 500 doléances, toutes relatives à des litiges fonciers l'année dernière. De nombreuses régions sont touchées actuellement par ce type de litige et aujourd'hui l'ancienne province de Majunga commence à en enregistrer de plus en plus, d'après les plaintes de l'association des natifs de la province de Majunga qui sont venus exposer la situation ce jour auprès de l'HCDDED. Fin de scène, Aïna Manakas, né Eric Ranafson. 70% des doléances reçues par le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, HCDDED, sont des litiges fonciers. Les cas varient d'une région à une autre et actuellement l'ancienne province de Majunga
on enregistre plusieurs cas de litiges fonciers. Selon les constats, le motif litigieux concerne le plus souvent l'absence de titre foncier. La plupart des occupants de terrains illégaux sont des héritiers et ne possèdent que des documents non encore actualisés. Afin de résoudre donc ces conflits sociaux, le président de l'Association des natifs de cette province, Oufisa Mami, s'est rendu auprès du bureau de la HCDDUD à Kadumbawok ce jour afin de dénoncer ce problème et procéder à une demande d'enquête. De son côté, le président de la HCDDUD, Navoul Le Noble Pierre, de dire que cette institution lancera une ouverture d'enquête et ensuite poursuivra l'affaire en justice. En outre, en tant que natif de cette province, ce président n'a pas manqué de discuter avec l'association Fisa Mami sur quelques points importants pour le développement de cette ancienne province. La solidarité de tous les natifs assurera ce développement, soutient le président de Fisa Mami, dont le devoir de l'association dans ce sens. Après quelques semaines de retard, les 207 candidats ayant participé aux épreuves physiques du concours de recrutement pour devenir agent de police municipale se sont présentés à l'épreuve orale cette semaine. La commune urbaine d'Antananarivo envisage de recruter 100 agents de police municipale chaque année afin d'atteindre un quota minimum nécessaire, explique le premier responsable de la police municipale. Faute de concours en 2020, la CUA organisera donc un concours direct pour recruter 200 agents de police cette année. Fin des séries, Aina Manakas, Eric Ralefson. Zéro corruption, telle est la devise de la commune urbaine d'Antananarivo dans le cadre de la 6e édition du concours d'agents de police municipale. La CUA coopère conjointement avec le Bureau indépendant anticorruption pour la sécurisation des sujets pour toutes les épreuves selon les explications. Les 207 candidats inscrits se sont présentés à l'épreuve orale cette semaine après avoir enduré l'épreuve physique. Rappelons que la CUA recrute 100 agents de police municipale pour cette 6e édition, dont 75 hommes et 25 femmes. Ceux qui auront réussi à ces deux premières épreuves passeront à l'épreuve écrite. La commune urbaine d'Antananarivo a comme projet de recruter 100 agents de police municipale par an pendant 4 ans. En effet, elle constate une insuffisance en nombre des agents en service dans la capitale qui sont seulement au nombre de 350 actuellement. L'effectif est largement insuffisant pour couvrir les milliers de Tananariviens. Au minimum, la CUA devrait avoir 1500 agents de police pour assurer le rôle de gérer la sécurité et la circulation dans la grande ville, raison pour laquelle la commune s'efforce à recruter plusieurs agents chaque année. Faute de concours en 2020, un recrutement de 200 agents de police se fera cette année, toujours selon les explications. L'avis de concours pour la prochaine édition sera lancé aussitôt que le recrutement de cette 6e édition sera achevé, précise le premier responsable de la police municipale au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. Comme un nouvel an de voir dans cette annonce, TV Plus Tulliard a aménagé dans de nouveaux bureaux à Tienalc, boulevard Lyoté, immeuble Tulliard Centre. Nous invitons alors notre clientèle et nos partenaires à Tulliard à venir nous approcher de nos tout nouveaux bureaux pour entrer en contact avec TV Plus Tulliard. L'adresse email tvplustulliard@yahoo.fr, tout comme le numéro 03207 387 08 n'ont pas changé.
Le développement de la commune d'Abou-Jabib dans le district d'Antananarivo-Avaradjan est le fruit des actions des responsables locaux dans la réalisation des priorités locales selon le maire. La crise de la Covid-19 et les arriérés publics en 2019 n'ont eu aucun impact sur le développement de cette commune. D'après ses explications, la réhabilitation du lycée est une preuve palpable de ce développement. Le camp administratif de cette commune ne cesse également d'augmenter depuis la nouvelle gestion en 2020, d'après les explications. C'est un reportage de Mekaran Demolaz et images Arfidra Koutmanal. Les efforts menés par les nouveaux dirigeants d'Abou-Jabib depuis 2020 aident énormément au développement de cette commune, selon le maire de la localité. Cette commune a connu un développement palpable malgré la Covid-19 en 2020 et les arriérés publics qui prévalaient en 2019. Les nouveaux dirigeants ont dû régler les impayés de la commune comme le paiement des salaires des employés pour le compte de décembre 2019 et la cotisation de la CNAPS, alors que l'avoir dans le compte administratif de la commune s'est levé à 64 millions d'arrières en 2019. Les nouveaux dirigeants ont fortement travaillé pour faire accroître ce montant jusqu'à 101 millions d'arrières en 2020. Et encore en 2021, ce compte administratif était de 180 millions d'arrières, c'est-à-dire trois fois plus que le montant en 2019. La réhabilitation du lycée est une preuve tangible de ce développement, soutient le maire. 90% de ces travaux de réhabilitation ont été financés par la commune. Les tables bancs utilisées par les élèves dans ce lycée ont aussi été dotées par le maire. La réhabilitation des routes est une grande priorité de la commune d'Abou-Jabib depuis cette année 2020. La commune priorise également l'appui des paysans, ces derniers qui constituent les 95% de la population. Des formations leur seront dispensées pour un accompagnement adéquat sans oublier les matériels de travaux nécessaires. Ce dernier avait remis officiellement la clé du lycée nouvellement réhabilité au proviseur hier. À l'instar de la commune de Tanzumbat, souvent citée en exemple dans la menée de projets de développement, la commune d'Abou-Jabib constitue un bon exemple pour les autres communes de Madagascar. Actualité internationale. Alors que le président américain Joe Biden doit prononcer en Pologne un discours au monde libre contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un nouveau couvre-feu a été annoncé à Kiev de samedi soir à lundi matin. L'armée ukrainienne assure avoir détruit des chars et avions russes autour de Donetsk et Lugansk. De son côté, Moscou affirme désormais concentrer son opération militaire à l'est de l'Ukraine. Reportage France 24. C'est ainsi que Joe Biden a débuté sa visite en Pologne, en partageant un repas avec les troupes américaines stationnées dans l'est du pays, près de la frontière ukrainienne. La Pologne étant une alliée stratégique de l'OTAN, les États-Unis y ont récemment envoyé des milliers de soldats supplémentaires. Jeudi, l'OTAN a annoncé que de nouvelles troupes seraient déployées en Pologne pour renforcer le front oriental de l'Alliance. Je ne veux pas paraître trop philosophique, mais nous sommes plongés dans un combat entre des démocraties et des oligarques. Nous avons envoyé les meilleurs qu'on puisse avoir en Amérique, et c'est vous, nos femmes et nos hommes. Alors je suis ici, je suis venu ici pour une simple et bonne raison, pour vous dire merci. Merci, merci pour votre travail. Joe Biden a promis jeudi d'accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens aux États-Unis. Il s'est aussi engagé à envoyer 1 milliard de dollars supplémentaires destinés à l'aide humanitaire en Ukraine. Après son déjeuner avec les militaires, le président américain a rencontré son homologue polonais. Ensemble, ils ont rendu visite à des organisations qui viennent en aide aux réfugiés ukrainiens. Des centaines de milliers de personnes sont coupées de l'accès à toute aide à cause des forces russes et sont assiégées, comme à Mariupol. Cela ne s'arrête pas. C'est comme si on était dans un film de science-fiction. Je veux remercier chacun d'entre vous ainsi que votre organisation. La Pologne a joué un rôle essentiel depuis le début de la guerre. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont traversé sa frontière en un mois. C'est plus de la moitié des 3 700 000 personnes qui ont fui l'Ukraine. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous à 19h30 pour plus d'informations version Malagas. Bien sûr sur TV Plus Madagascar. A tout de suite.